Bonjour YouTube, si tu vois ça, c'est que c'était génial. Ah mais du coup pour rendre ça, c'est la mort, d'accord. La mort nulle que je viens de faire. On y croyait pourtant YouTube. Ah d'accord. D'accord. Merci. Y a pas, y a rien. Ah j'ai tout le mapping. Pourquoi j'ai tout le mapping? Je pourrais partir sur du Isaac simple. Ah oui j'avoue qu'on pourrait partir sur du Isaac en fait. C'est quoi ça? Ah oui c'est les fameuses tireux. Bédé. Ouais. Bah écoute, on va jusqu'au boss, on voit ce que ça dit, puis si c'est nul, on partira sur du Isaac pour une dernière game. Je suis en train de balancer des larmes tout en haut là. Personne ne comprend. C'est pas clair. Hein. Oh là. Compliqué le jeu. Oh putain, ce headshot que je lui ai mis là. Tellement. Il faut des bombes. Ah, mais meurt au bout d'un moment. Putain, mais ce caca qui est dissident. Voilà. Ouais. C'est une technologie, c'est vraiment bof. Bah, je connais pas moi. C'est quoi ça, tout ça? Item room. Connorman, pourquoi je l'ai fait? J'apprends le jeu, hein. Je me suis rendu compte après de ma connerie. Du coup, le boss il va être par. Bah non, je vais prendre la grande salle. Oh, j'ai marqué! Allez, eux ils tirent des larmes. Voilà. Attention. Ok, le bouquin de Belial. J'ai pas de bombe. Du coup, je peux pas. Ok. La PHW. La part Games Week. Bonsoir. Ouais. Bordel. Putain, cette esquive. Hop, voilà, je. Ah, mais du coup, mes lames passent à travers le mur. C'est au moins ça, hein. Tiens, salaud! Une bombe! Bonjour. Voilà. Bonne nuit, ma goule! Oh, passe-toi bien à la prochaine! Merci d'être passé! C'est cool! Allez, j'ai un deuxième cœur, j'y crois à mort. Il suffit que j'ai un bon item au boss et ça va le faire. Petite pièce. Pour tout faire. Oh, je suis vite fait ce que je vois. Oh. J'en ai marre. Hop. Bah, c'est là du coup. Tout va bien. Et je sens que je commence à un peu mieux jouer. À au moins comprendre un petit peu mieux mes déplacements et les déplacements des ennemis. Ah, super. Je connais pas bien. C'est un mec horrible qui balance des grosses araignées là. Évidemment. Évidemment. Mais quel connard! J'en ai marre. Je me saoule. Je connais pas l'ennemi en fait. C'est ça qui est horrible. Ah, mais je l'ai buté là. Je le bute, voilà. Nickel. Très bien. Meurs. Ne me tue pas. Ne me tue pas. Pyjama. Très bien. Je file cosy et j'ai plein de cœurs bleus. Je me casse. Oh, je sens aucune différence dans le gameplay. Ah bah putain. Putain. J'ai pas de clé. Super, je suis très content. Y'a quoi là-dedans? Non. C'est pas exagéré quand même. Après j'ai beaucoup de cœur maintenant. Ah, j'ai plus ton pi, je suis deg. Allez, on va dire que ça vaut le coup. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Hop. Je suis encore dans un burning basement. Putain, j'ai eu peur, il y a une lame qui est venue du bas, j'ai failli me petit suicider. C'est horrible. Hop. J'ai oublié une pièce ici. Oui, d'accord. Hop. Par là. Mais il était bon. Ah oui non, j'ai pas de clé. Putain mais connard man, bouge. Puis tu sais que je suis là, il tire des larmes. Quel connard. Ok. Tu peux pas avoir une clé genre. Genre. Une clé genre. Une clé genre. Ah merci. Suffisait de demander hein. Hop, clé infinie sur l'étage, ça me va. Je suis très content. On va essayer d'en profiter du coup. La moule. Hop. Ça je sais pas ce que c'est. Metal plates. Ça gratte. Oh la gueule. On sait pas.
On sait pas ce que ça fait. J'en ai aucune idée. Si le Devil Deal, tu as un bon item, prends. Pas d'avoir de cœur rouge. C'est pas grave. Oui, oui, messieurs. Ça, je suis tout à fait au fait de ce truc-là. Hop. Oh putain, là, horrible. Ça, c'est horrible pour moi. En tant que débutant, ce genre de salle, c'est horrible. Je balance des larmes par là, vas-y. Je fais jouer mes items. Ça paraît complètement important. Bon, lui il est mort. Nickel, ils sont tous morts. C'est quoi? Ça multiplie mes pièces par deux. Ok, le boss est ici. J'ai pas de bombe. J'aurais bien voulu bomber pour trouver la salle secrète qui doit être juste en dessous. J'ai pas de bombe. Du coup, je vais là, au cas où. Ça, c'est petits ennemis. Du coup, je peux rentrer au shop gratuitement, donc je vais aller voir. Kazoo. Metal Plate, tu peux renvoyer les larmes à l'ennemi et le rendre confus. Quoi? C'est un pourcentage de chance quand je m'en prends une, c'est ça? Une bombe pour 5, quoi, non, peut-être pas. Hein. T'as pas de thune là-dedans? De pièces? Chias. Je me tire! J'ai plein de cœur en vrai, hein, ça peut le faire. Je manque beaucoup de d'amarrage. Et de débit de larmes. Putain, The Haunt, mais je déteste The Haunt. Mais pourquoi à chaque fois je me prends ce truc de merde? Vas-y, envoie. Beaucoup de Belial, mais Connerman. Oh, c'est vrai qu'avec le bouc de Belial, je fais quand même beaucoup de dégâts. Hein. Du coup, c'est plutôt du débit qui me manque. Jeu de jambes. Putain. C'est parti. Parti, on va rigoler. Je comprends rien à ce boss à chaque fois. Il doit y avoir un pattern que je connais pas. Là, il va commencer à dégueuler dans tous les sens pour rien comprendre. Peut-être là. Ah, je pensais qu'il allait faire un rodéo infini, mais même pas. Ok, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Hein. Genre, je vais perdre aucun cœur sur ce boss. Oh putain! Trop bien! C'est Squeezie! J'ai un devil deal. Est-ce que je prends le Squeezie? Ah, Squeezie, c'est deux cœurs bleus, je crois. Tears up et deux cœurs bleus, c'est ça. Putain, je commence à connaître le jeu, c'est incroyable! Bonjour! Mais y'a plein de trucs bien! Putain, comment... Mais tout est bien! Mais. Parce que là on a Guppy's Paw, Mom's Knife et Gumpy. C'est ça? Guppy's Paw, Mom's Knife et Gumpy. Du coup là je pense qu'il faudrait prendre Mom's Knife en vrai. Go Mom's Knife, ouais je pense hein, ça me semble être ça. Gumpy fait envie quand même. Ça va m'enlever 3 cœurs bleus si je prends Gumpy. Ça fait envie parce que ça peut en dropper en fait. Ça peut dropper des cœurs bleus chaque fois que je me fais toucher. Bon, Mom's Knife, ça me paraît évident. Beaucoup trop fort. Ah, par contre, oui, c'est un truc qu'il faut charger et lancer. Ah, ça, je savais pas. Parce que si je fais ça. Ah, oui, d'accord. Ok. Prends le knife. Ouais, le knife, knife beaucoup trop fort. Mais du coup, la range, elle est de. Ok. Ouais, elle est pas ouf, ouf, ouf la range. Mais les dégâts, je pense qu'ils sont monstrueux. Par contre, on peut pas tirer en diagonale? On peut pas tirer en diagonale. Ah, si on peut! D'accord, c'est chaud, c'est chaud. Ok. Mom's Knife, mais un item de Guppy, ça se refuse tellement pas. Bah ouais, parce que si je peux être un petit chat à un moment. Après, le truc, c'est que là, l'item de Guppy me sert à rien, quoi. Parce que je pourrais pas transformer de cœur rouge. Donc, et mon Book of Belial, pour l'instant, passe au-dessus du. Go Gimpy. Bah en vrai Gimpy je me dis que c'est un bon objet défensif en fait. Pour un débutant je prends un coup, j'ai des chances de dropper un cœur bleu. Gimpy pourquoi pas en fait. Il me restera 2, 4, 5 cœurs il me restera. Je me dis que pourquoi pas en fait. Mais pff, ouais je vais le prendre. Je vais le prendre. Je fais comme je le pense. Pas de bombe toujours pas donc on va descendre. Par contre le je sais pas ce que ça va donner le couteau hein, du tout hein. Hop, je sais pas du tout ce que ça va donner le couteau. Parce que j'ai jamais utilisé, du coup je sais pas du tout. Oh putain. Putain, faut que j'apprenne à m'en servir. Au secours. Oh les dégâts. Les dégâts sont présents.
Quand j'arrive à toucher. Ah, c'est à dire que j'ai même pas besoin de lancer en fait, il suffit juste qu'ils soient en contact et ça fonctionne, d'accord. Et du coup c'est fort. Ok. J'apprends à m'en servir, hein, vraiment. Mais qui pinaille quoi. Ok, nice. En vrai c'était nice. C'est parce que c'est... Je piffais, luck up. Infested, ça me donne une araignée. Ok. Bah c'était cool. Il y a plein de cœurs ici, je pourrais venir rechercher éventuellement. Je peux prendre un demi-cœur de dégâts et drop un cœur. Oui c'est ça en fait, pour l'instant c'est... C'est rentable. Genre là je peux rentrer. Bah ça fait gaspiller mon cœur noir. Bon si jamais je perds mon cœur noir, je viendrai ici. Putain les dégâts. Ah ça récolte 0. Ah je pensais qu'au retour je l'aurais, mais pas du tout. Ah j'ai pas assez de range. Putain les dégâts du couteau. Bonjour. Flame Tears. Mais j'ai pas de Tears. Bon bah du coup Rip. Ça s'avère comme un orbital mais il bloque pas les larmes. Ah ça balance quand même des fois. Ah et mon couteau passe aussi le mur. D'accord. Évidemment. Connard. Connard. Est-ce que ça vaut le coup que j'aille faire la salle en bas, vous pensez? Mais il est là. Je peux marcher dessus ou pas? Oui. Ça va comme un orbital. Oui, d'accord, oui. Compliqué le jeu, hein. Bon, ça c'était pas très compliqué. Et. Plein de clés. Couteau traverse les rochers. J'ai balancé des flammes à coup de temps en temps. Mais est-ce que vous pensez que c'est intéressant que je prenne un cœur de dégâts pour éventuellement prendre la salle en bas? Ça me paraît tendu, il me restera 3 cœurs, c'est chaud. Ouais c'est chaud, putain je balance tellement des flammes à coup de temps en temps. Ok. Putain je vais me prendre le feu comme un connard. Pas évident hein, quand on est un noob. Hop. Je sais pas si j'ai envie mais c'est tellement dangereux. Je vais gagner des cœurs avec Gimpy, tu penses? Au secours. Oh putain mais quel connard. En plus, il dit au secours hein, mais il bouge pas. Jugement. Justice. Et... Tooth Diamond. Jugement, mais jugement je sais plus ce que c'est, je crois que ça va mener au boss non. Ton couteau traverse les murs et revient de l'autre côté grâce à ton premier... Oui ça je sais hein. Je sais. Hop. Judgment ça fait quoi? Ça m'amène au boss? Je sais plus. Là j'ai besoin de savoir. I need to know. Cette run qui peut faire quelque chose hein. Ça peut. Le spawn à mendiant. Ah c'est ça jugement. Ah oui c'est ça je crois. Bah du coup on peut voir ce que c'est. Voyons quel mendiant c'est. Ah bah je suis désolé, je peux rien pour toi. Au revoir. Bien vu, merci le chat. Je peux aller au shop éventuellement, remettre des pièces, voir ça après. T'es. Bonjour. Et j'ai pas de quoi ça, j'ai pas touché. Comment ça? Oh là là. Ok. L'aller-retour plutôt pas mal. Ah le build peut vraiment bien marcher hein. C'est juste que je suis nul quoi. Refulgu. Enfin re à tout à l'heure. Ah non, là c'est surpété. Lockdown super. Super. Je pense que ça fait apparaître un mendiant. Merci GDK. Ça pour rien. Je me casse du coup. Je me casse. C'est l'idée. Et c'est parti pour un boss que je vais affronter avec 2 cœurs et demi. Ça va être horrible. J'y crois à mort. Et c'est The Stain. Pas oublier évidemment de lâcher le Book of Belial. What the fuck? What the fuck?
Ah oui, mais les dégâts du couteau. C'est vrai que j'avais des bombes. Évidemment, on a le Dead Cat à ce moment-là et on a Mark. The Mark qui fait un damage up. Troll bombe. J'ai Dead Cat et j'ai pas pris Guppy Spot tout à l'heure, donc c'est un peu triste. Mark, je pense qu'on va prendre 100%. Mark, c'est un damage up. Et bah ça non hein, du coup, hein, parce que c'est synonyme de mort. Et du coup ouais, si j'avais pris la patte, on serait à deux items de Guppy. On pourrait bientôt être un petit chat. Mais là c'est mort. C'est mort. Enfin après j'aurais peut-être pu le prendre. Oh, je pense que j'aurais dû le prendre. Ça me faisait 9 vies en vrai. Tant pis. On va aller au shop vite fait ou pas? Non on y arrête, j'en fais rien. Je fais juste Marc. Dead Cat puis Marc. Oh, maintenant. Trop tard. Mais Dead Cat c'est. Enfin ouais, en vrai je pense que j'aurais dû le faire parce que ça me mettait. Ouais non mais ça me mettait un cœur. Comme 4 cœurs quoi. D'accord. Item, non. Dead c'est pas très utile pour un débutant avec un cœur, tu fais pas grand chose. Bah oui c'est ça en fait. T'as le couteau, les dégâts du couteau quoi. Bon le shop est là, on reviendra après peut-être. On va aller voir. Super c'est grid. Évidemment, je vais dedans comme un connard! Si je prends encore des dégâts, je. Eh bien, heureusement que j'ai pris Gumpy, hein. Parce qu'avec moi, on n'était pas sortis. Tu perds juste tes cœurs rouges. Ouais, non, mais je perds des 3 cœurs à l'acheter en fait. Ah non, j'avais un cœur rouge! Mais oui, j'avais un cœur rouge! Ah oui, du coup, ah ouais, ah, du coup, ouais, ah, j'avais su! Ouais. Dead Cat te met un cœur rouge, tu gardes les bleus. Tant pis. Mais je me sentais pas d'être un cœur bleu en fait. Enfin, je sais pas, c'est tellement peu que. Marc donne un cœur bleu. Ah, mais voilà, on savait pas. On ne savait pas. Sinon, on l'aurait fait. Hop. Mais c'est bien, on découvre le jeu. Je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Couteau, couteau, voilà, couteau. Pas que j'oublie, je peux m'en servir comme orbital. Voilà. 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 Guppy Scolar, putain, j'aurais pu être un petit chat. J'aurais pu être un petit chat! Chariot, ça fait quoi déjà? Je crois que ça m'a invincible. Bon, j'ai claqué mon Two of Diamond, hein, je vous le dis. Marc aurait été gratuit. Eh oui! Terrible joueur débutant! Et merde. Et voilà! Vortex de Verdier. Prendre des dégâts là-dessus. Parce que je suis un connard. D'accord. Je vais y mettre dedans. Et je vous dis, le principal en fait c'est que sur chaque run on apprend quelque chose. Donc là j'ai appris que The Mark en plus de faire du damage up donnait un cœur bleu. Tout ça je savais pas. Hop. Ok. Lockpicking, je sais pas quoi. Oui. Cœur noir ça fait quoi en fait, je sais pas. Ça fait des dégâts dans la salle. Pop pas souvent mon feu hein. Ah oui j'ai zéro de luck. Pour ça. Ouais, t'as un petit chat, mais oui. Qu'est-ce que c'est que cette bite? Mom's perfume, Fear Shot. Ça me va. Fear Shot, ça me va. Go. J'ai vraiment pris des dégâts là en marchant sur les pics. Si je meurs dans cette salle anecdotique, je me la coupe. Ça commence à devenir compliqué. Hein.
J'avais beaucoup de cœur tout à l'heure et le canard peut étourdir les ennemis, d'accord. D'accord. C'est par là. Charge mon couteau. Salut Griffoufoul, comment tu vas? Bah, j'ai bien fait. T'as deux grandes salles. Oh non, horrible. Horrible pour un débutant ça. C'est bon, commence à épurer un peu. Casse-toi. Nice. J'ai tellement de trucs là, je peux pas mourir. Le boss est là. Le boss est là, le boss est là, j'ai qu'un cœur. Est-ce que vraiment j'y vais avec un seul cœur? Y'avait rien au shop que je pouvais acheter? Je vais déposer mes pièces au shop parce que je sens la mort arriver là. J'ai lancé Batman pour la première fois. GG Chris. Peu mal. Oh, j'ai plus de cœur, c'est atroce. Ah mais j'ai une deuxième vie. Du coup. Enfin, je crois. Le shop. Ah non mais c'est vrai que le shop y'avait rien. Oh, on fait tout ça pour rien. Secours. Petite bombe. Allez, Hierophant. Oh super. Oh super. Alors, vous inquiétez pas, c'est normal, hein. Voilà, brise le miroir. Oui, bah oui, voilà. J'ai tenté, mais rien de fou. Ah, super. Ok. Eh, salle super secrète, peut-être là. Bonjour. Je crois pas. Ça veut dire que je peux refresh l'objet, mais si je le prends, c'est fini. On est d'accord? Ce qui est génial, c'est qu'il y a un cœur bleu dedans. Ça je comprends pas. Ça veut dire que si, ouais, si je prends l'objet, après je pourrais plus reset, on est d'accord? Avec Azazel. Azazel! C'est vrai que c'est la première fois que je tente aussi avec un autre perso hein, que Isaac. J'attends que vous me disiez quand même, parce que là j'ai pas envie de faire du conneries, c'est peut-être important, notamment si je peux choper un cœur bleu dedans. On est d'accord, je peux pas prendre l'objet et ensuite reroll à l'infini jusqu'à avoir un autre deuxième objet. On sait pas. Normalement, oui. Je crois que tu peux reroll l'objet. Oui, non, mais si je le prends, c'est mort. Parce que reroll, mais je peux avoir quoi? Refresh. Ouais, mais je vais avoir quoi? Quand tu veux, hein. N'hésite pas, à tout moment. Il est difficile en affaire. La machine est chaude, la machine est chaude. Salut, Linkvax. Pas l'air de marcher. Je me suis fait baiser. Oui, je me suis baisé, d'accord. C'est quoi? D'accord, super, je suis très content. Très content. Salut Théo, comment tu vas? Putain, je vais rentrer dans celle-là alors que c'est pas du tout là qu'il faut que j'y aille. C'est là-bas. C'est là qu'il faut que j'y aille. Mon Nemesis. Book of Belial. Non mais les dégâts du couteau quoi. Les dégâts du couteau. Speed up. Ok. J'avais The Chariot aussi. Ça rigole les objets piédestaux. Ouais mais pourquoi du coup il y avait ça dans la pièce? Je comprends pas. C'est pas à cause de mon lockpicking? Bah non. Pourquoi c'était là? J'ai rien à récupérer hein. Je crois que je peux me casser. Bah je me casse. J'ai tellement que 1 PV quoi. Faut que je trouve de la vie hein. Faut vraiment que je trouve de la vie. Cette run est vouée à l'échec si je trouve pas de la vie. Allez, Hierophant. Balls of Steel, peu importe, m'en fous. Health up, ça me va. Ça me va, de ouf. Double health up, moi ça me va. Ça m'a donné toute ma vie. Yep. C'est ça. C'est bon! Ton lockpicking sert à ouvrir les coffres jaunes sans avoir à utiliser de clé. Ah nice, je savais pas tu vois. Enfin je savais pas, je me doutais mais Et là. Je me sens mieux déjà, avec 3 coeurs je vous avoue que je me sens déjà un petit peu mieux. Un anus flottant, il est mort. Bonjour. Money equal power. Plus j'ai d'argent, plus je suis fort. Ok, j'ai eu un peu de force.
La peur de gagner. Hop, on va aller en bas. Je peux aller voir en bas. Ta lunette, ce swag. Ce swag de Judas. Voilà. 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 Ok. Regardez ce swag. Damn. Un dégât tous les 10 pièces. D'accord. Quoi? La merde. Je m'en vais. On va aller en haut. Bah en vrai ça se passe. Enfin ça se passe plutôt bien. En tout cas je me sens plus à l'aise sur le jeu qu'avant quoi. Et ok. Bon. Bonjour. Ok. Ok. Cœur, j'ai pas besoin. Il y a un shop. Un shop. Je sais pas ce que c'est. Ça en dessous là. De toute façon, j'ai pas les pièces. Mais je pense que je vais mettre la machine à sang si je peux. C'est pas dingue vu que mon objet scale en fonction des pièces. Mais voilà. Au moins, j'aurai un shop meilleur par la suite. Hop. Ah Alors. Merde. Ça, c'est... Je tryhard, hein. Quel connard. C'est pour une carte. The Empress. Ça fait quoi? Ouais, The Empress, je sais pas. Voilà, la mouche avec. Très bien. Voilà. Les deux. Putain, mais j'ai rien, j'ai que des cœurs. Pas de branche marquée, non. Et dire Colo. Et dire Colo qu'avec Azazel, j'avais masse de dégâts, c'était le viol. Normalement, vu qu'il crache avec Brimstone. Ah oui! Bah oui! The Empress te met hors Babylone pour la salle. Ok, bon, The Chariot est mieux du coup, peut-être. Quoique. Pour le boss, The Empress, ça peut être fort. Ah ouais, The Empress, puis Book of Belial, tu roules sur. Le monde? C'est horrible comme salle, ça. Alors, calculons. Si je mets une bombe là, je récupère rien. Non, je pense que c'est. Ouais, c'est. Ça aurait été plus fort. Ok. En fait, des fois, j'ai l'impression qu'à l'aller, le couteau fait pas de dégâts. Je sais pas pourquoi. Les dégâts du couteau, quoi. Ok. Y'a pas de secrète là. Elle peut être où la secrète? Elle peut être où? Elle peut être. Tac 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 tac, j'ai 4 bombes quand même. Elle peut être. Bah, pas là du coup. Elle peut être que là. Yes. Clef. Et un mordure à clef. Est-ce que je lui donne des clefs ou est-ce que je le pète avec des bombes? Plus intéressant que The Empress. Tu es invincible pour la salle et quand tu te colles aux ennemis, tu fais des dégâts. Ah, invincible tout le temps pour la salle à l'infini. Moi je pensais que c'était que pendant quelques secondes. Pour The Chariot. Parce que au pire, ce que je fais, c'est que je prends The Empress pour le boss là et je viens rechercher The Chariot. Bonne yo-yo. Fais-tu la face. Mais j'aurais dû péter le champignon avec. Je suis con, les deux champignons. Quaderman. Hop, ok. Continuons du coup. Bon, la super secret, je vais peut-être pas essayer de la trouver vu que j'ai pas beaucoup de bombes. Et qu'elle peut être à plein d'endroits. Notamment à quoi que c'est vrai que si je regardais le layout des salles peut-être que ça serait évident. Ça dure 5 secondes de chariot environ, d'accord. Alors que hors Babylone ça dure toute la salle, c'est ça le truc. Je pense que j'allais prendre hors Babylone, enfin Empress, sinon je m'en servirais pas en fait. Il faudra juste que j'aille rechercher la carte après le combat de boss. Ça je garde The Chariot de côté au cas où, mais ça va être overkill hein, je pense. War, ok. Donc Book of Belial. La carte, The Empress. Ah oui, oui. Oh là là, l'overkill quoi. Oh. Cube of Meat, très bien. Un cœur bleu. Pas de Devil Deal. Oh l'overkill, je l'ai défoncé. J'ai eu un bug grâce à un youtubeur jusque. Grâce à 3 items. Shop invité. Hero Blank Card. Il y a beaucoup de combos hein, dans le jeu. Hop, The Chariot.
Salut Choupa, comment tu vas Choupa? N'hésitez pas à follow si vous êtes nouveau. Ça fait donc un an officiellement que je te follow, putain, mais vu déjà quoi. Passez vite. Hein. On est parti? Parti. On est parti! Ah! Peut-être un deuxième Mom's Heart ce soir, mais si on... Bah pas forcément, mais... Voir un deuxième Mom's Heart, ce serait cool. On va toujours piffer les pilules, hein, vu que j'ai commencé à les piffer. Luck up, très bien. Elsdern, non merci. Continuons. Chauve-souris nul. J'arrive pas à buter. Voilà, c'est bon. Mon cube of mine qui a absorbé. Mais what the fuck? Mais tape-le! Quand tu veux. Quand tu veux, il va se TP à l'infini. Tu peux pas récupérer la bombe, quoi. Bon. Très content. Très très content. Pauvre boss. J'avoue qu'il s'est fait soulever. Hein. War, il s'est fait soulever. Bon, j'arrive dans mon carré magique. Hein. Venez me chercher. Merci Choupa pour le follow, bienvenue. Merci beaucoup Choupa. C'est cool. Bienvenue à toi. The fuck. Bah, en vrai facile non? Je vais là. Voilà. Pas de rocher marqué. Alors. Du coup la salle. La secrète elle peut être. Ah elle peut être là ou de l'autre côté. Faut que je regarde le pattern des salles. Ok, pas ici. Et merde! Je prends des dégâts à la con. Donc c'est pas là, donc c'est sûrement de l'autre côté. Si l'autre côté, ici. Oui, on est d'accord qu'on a pied là. Si on a pied en bas, on a pied en bas. Je vous comprends. Ah, j'ai réussi à mettre Fear avec le couteau. Mais arrête l'anus! Ok. Death! Ok, ça fait l'effet d'un cœur noir. Du coup, il. Elle est certainement là la secret. Eh bien non. Donc elle est encore ailleurs. Un mois, le temps passe si. Déjà un mois. Qu'est-ce que je branle? Pourquoi? Pourquoi je mets 15 ans à faire mes trucs? Lui il va exploser quand tu vas mourir. Il y avait une araignée, elle est morte, je l'ai pas vu. Ah non il meurt pas, ok. Ah. Un cale-porte. Ça peut être pas mal en vrai. Ça permet de maintenir la porte ouverte quand je rentre dans une salle. Ça peut être pas mal pour esquiver des salles nulles et inintéressantes. Mais ça on a vu que c'était The Death. Ça c'est bon. Je commence à connaître le jeu un peu, c'est cool. Hop. Ils viennent jamais au bord des salles si. Ok. Cube of Meat qui a fait le taf ici. Cube of Meat qui a fait deux fois le taf ici. Ok, item room. Je sais pas ce que c'est. HP up, d'accord. Bah je prends, écoute. Hein. Je prends. Carte, on va peut-être pas tenter. Le shop, pas besoin, j'ai qu'une pièce. C'est dur, hein. Oh là là, attention, il est palpable. Non, j'aurais bien voulu que tu le tues. Voilà, merci. C'est quoi ça? On sait pas. Ah ça fout du noir partout, d'accord. Ah du coup la secret était peut-être là. Ah non. Non j'avais testé ou pas? En haut. Ah elle est là, je pense qu'elle est là. J'ai plus que deux bombes. Bon, une clé. Je prends. Pas forcément ce que je voulais trouver, j'aurais voulu trouver des cœurs bleus ou quelque chose comme ça. Tant pis. Ok, sacrifice room. Je n'ai encore jamais utilisé. Voilà. Le truc, je sais pas ce que c'est ça, le bandeau là. What? Ok. Mais pourquoi ça se transforme? Je comprends pas. C'est pas clair. J'ai pas de rocher marqué, hein. C'est ouf. Hein. Ou alors je fais pas attention, mais j'en ai pas vu. 2 minutes déjà, ça passe vite, putain. Je t'aime bien toi déjà. Nickel. Le boss, c'est parti, Book of Belial, tout ça, tout ça. Ah mais c'est Mom. Horrible. Horrible. C'est peut-être le décès, hein, incoming du joueur français. Oh, peut-être pas vu les dégâts que je fais. Ah c'est Mom rouge. Mom rouge. Voilà, le balance sur... Putain, j'ai... Je voulais zooker mais j'ai oublié de twerker. Y'a un rocher marqué. Voilà, vu les dégâts que je fais... Arrête de balancer, voilà. Y'a quoi? Je suis marqué.
Je me sens mieux. Enfin, ce que c'est, on prend. Tire sur Shot Speed Up, très bien. Et on a la salle du démon. Qu'est-ce que c'est? C'est pas celui qui mange les cœurs rouges, lui? Je crois que c'est celui qui mange les cœurs rouges. Si jamais t'as deux chariots. Oui, non, mais là, vu que c'était Môme Rouge, tranquille, Môme Rouge. Je pense que c'est la plus simple, la variante la plus simple. Est-ce qu'on prend ça? On est d'accord que c'est le mec qui bouffe les cœurs rouges et qui donne des cœurs bleus en échange. Oui, le SPT, oui, d'accord. Pour les cœurs bleus, voilà, c'est ça. Il bouffe les cœurs rouges et en échange, il te file des cœurs bleus. Ah, mais je peux pas sortir! Ah, c'est dommage parce qu'il y a plein de cœurs rouges à récupérer. Il y a des milliards de cœurs rouges. Je peux pas sortir vu qu'on est à The Mom. Enfin, on est à Mom. Du coup, c'est parti pour Vagina. Ah, je suis deg. Putain, j'aurais eu tellement de cœurs bleus ou noirs. Terrible. J'ai aucune carte pour ressortir. J'ai pas eu de The Fool ni quoi que ce soit. Bah, c'est reparti pour l'enfer de The Womb. Je vais utiliser une bombe pour les pilules. Ah, je suis plein de pilules. Rétrovision, non merci. Luck up, oui. On sait pas, on sait pas. I found pills. Verti, ok. Bah c'est parti. T'as la gueule. Non, on est Mésis, on est Mésis, on est Mésis, bon, on est Mésis. Je suis pas terre. Et donc je me suis foutu dedans comme un connard. Vachement bien de perdre un cœur comme ça. Bravo Nils. Super pour l'appareil photo. Hop. T'as Gimpy? T'as plein de cœurs rouges. Oui, j'ai Gimpy. Non, mais... Mais comment ça? Putain, mais je peux la... Je savais pas que je pouvais l'agresser alors qu'il était fermé. Du coup, est-ce que j'ai la range pour faire ça? Absolument pas, apparemment. Ah, pas du tout. Ah, et j'ai pas non plus l'angle. Je suis très content. C'est vrai que la porte reste ouverte, hein. Au pire. Connard. Mais que là... Ah oui, oui d'accord, oui, bah oui, je suis con. Ok. Bouffe. Donne. D'accord. Oh là là, le couteau, bouffe. Il me chie un cœur noir, parfait. Donc il est déjà rentable, hein, voilà, là il est déjà rentable. Et je me suis mis dedans. Bouffe, là, mange. Mange ça. Mmh, donne-moi. Non. Donne quelque chose tous les 1,5 cœur. D'accord. Oui, d'accord. J'ai mal. Non, c'est bon, tout va bien. Ok. Il doit bien avoir un rocher marqué ici. Ça paraît évident. Ok. Un cœur bleu qui vient de nulle part. Je sais pas d'où il vient. Une pilule. Luck up. Je prends. Une grande salle là-haut. Il y a peut-être un rocher marqué. Hein. Ah là, il y a un rocher marqué. Je crois que. C'est un rocher marqué ça. Celui-là, là. C'en est un. Non. J'attends confirmation parce que j'ai plus qu'une seule bombe et ça me ferait chier d'utiliser. Il a pris un cœur et demi. D'accord, j'avais pas vu. Celui-là, là, c'est un rocher marqué ou pas? J'ai tellement pas les repérer. On va passer 20 secondes sur ça. Autant que vous me disiez. Ça, c'est horrible avec Twitch. Ah, putain. Est-ce un rocher marqué? Je pense que oui. Je savais pas. Personne ne sait. Où je vais y aller? J'y vais. 3, 2, 1. Allez, va. C'était un rocher marqué. Donc, bien vu l'aveugle que je suis. C'est beau. Ouais, faut pas que j'oublie que j'ai mon Cube of Meats. Je m'en sers jamais. Le boss est là. On a eu de la moule sur le pattern. Cube of Meats qui vient de défoncer quelqu'un. Ok, une clé. On vient de récupérer des cœurs. En vrai, j'ai envie de farm un petit peu les pièces pour essayer de trouver des cœurs et... Et peut-être récupérer quelques cœurs bleus, roux, bleus, noirs en plus. C'est risqué de faire ça. C'est risqué. La croix en bas à droite des rochers en forme de fesses. Sinon c'est juste un trait. Oui c'est pour ça, il me semblait bien que ça c'en était un, mais j'étais pas sûr. Parfait. Parfait, ce genre de salle c'est parfait. Pour ce que je veux faire. Donne-moi un cœur rouge. Rien. Très bien. J'ai plus de bombes de toute façon, donc je peux pas checker pour des salles éventuelles.
En vrai, je sais pas si ça sert à quelque chose de grid vraiment, un cœur supplémentaire. Genre de salle affreuse. Tout va bien, c'est bon. Tout va mieux. Voilà, mange! Mais donne-moi un cœur. Voilà, oh oui, donne-moi un cœur! Oh là là, il a chié un cœur, voilà, parfait. Parfait, c'est bon, je pense que je me casse maintenant. J'ai mon chariot. J'ai rien d'autre à vouloir trouver, de toute façon, non. On y va. Je suis où là? Depth 2? Ah non, je suis scared womb, du coup c'est quoi? Ah, c'est un ennemi random, c'est un. Oui, c'est un boss random. D'accord. Je suis stressé, ça sent? T'es en hard holo? Pas du tout! Pas du tout. Scolex, ah oui, Scolex, oui, d'accord. Il faut taper sur sa queue. Pourquoi il y a un effet death qui s'est lancé? J'aurais dû faire un tout petit lancer. Comme ça. Faut pas que je prépare mon couteau. Faut que je fasse vraiment au dernier moment et tout près de lui. Évidemment, il me pop dessus. Mais bouquin de Bélial, connard! Bah oui, tout de suite, les dégâts sont présents. Bah voilà, bah oui, connard. Mom's Pearl. Ah, je suis devenu maman. Ah, du coup, j'ai double couteau. Il va me chier un cœur. Très bien. Double couteau, du coup. Il y a un couteau qui me suit. Et un couteau que je contrôle. Du coup, je suis en mode. Ça fait death quand tu le tues. D'accord. Tu t'en sors? Bah écoute, oui, bizarrement je m'en sors. Étrangement je m'en sors. On va descendre. Hop, et c'est parti pour le dernier étage, sauf si j'ai encore accès à Satan. Et du coup je prendrai le coffre si jamais, pour valider la run. Double coutal plus chariot. Pardon. Par là? Oh là, faut se décider, faut se décider. Voilà. À un moment faut y aller quoi. Partir d'un côté mais faut y aller. Merci. Du coup c'est pas par là hein. Meurs. Ça j'aime bien, ces ennemis là j'aime bien maintenant. C'est assez facile à anticiper hein. Par contre les rochers marqués de cet étage là, je sais pas à quoi ils ressemblent. De toute façon j'ai pas de bombe mais je sais pas du tout à quoi ils ressemblent. Les dégâts monstrueux. Ah bah avec le bouclier de Bélial oui Et tout à l'heure j'ai eu l'occasion d'être une petite pute de Babylon. Je peux te dire que les dégâts avec le bouclier de Bélial plus Or of Babylon, c'était quelque chose. Voilà. Il m'a rien lâché? Non. Faut que je fasse gaffe maintenant. Vite. Ah, je pensais le tuer avec mon couteau. Allez! Je m'en sors pas! Dans le double coutal. De front là, il met bien cher. Ça va, je m'en sors quand même avec mes cœurs là. Allez, un cœur là-dedans quand ça m'en donne un. Parfait. Nickel. On va continuer par là. Pareil qu'à l'étage précédent, les rochers, d'accord. Secure. Et. Alors je sais que eux ils meurent si je suis les ennemis de la salle, mais là je vous avoue que j'ai pas vraiment envie de passer. Mange. Comme ça après quand tu reprendras un cœur on sera bon. Hop. Je peux pas rentrer, j'ai pas un cœur rouge, j'ai pas qu'un seul cœur rouge. Eh, je commence à comprendre le jeu, hein. C'est ouf en vrai, l'amélioration est assez dingue en tout cas dans ma tête. Salut Volaille, comment tu vas? On va partir du coup par là, a priori c'était la route à suivre. Ok, nickel, pas marché dans le sang. Attends, t'as couteau de biais, non, non. Ah, j'ai pas la range, super. Ah bah d'accord. Ah, les araignées, super. Super. C'est mal aux yeux, hein, le rouge. Terrible. Ok. 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 Ok, je m'en sors quand même bien mieux qu'avant, je trouve. Hein. Merci bien bien pour les deux bits. Merci Poto, petit cœur, merci. Je t'aime d'amour. Il a l'air de cracher ou pas? Il a l'air d'arrêter. Il va bouffer l'autre ou pas? Il a pas l'air de vouloir bouffer l'autre. Ok.
Non, ça vaut pas le coup, je vais prendre 2 de dégâts, c'est vrai. Oublié. Par contre, Gimpy me donne pas beaucoup de. J'allais dire, il me donne pas beaucoup de cœur, il m'en donne un. Attaque! Allez! Mais ouvre-toi! Bon, très bien. Voilà. Nickel. Le dernier. Nickel. Ça se passe bien. Ça se passe très très bien. Et j'ai trouvé le boss. Du coup là faut y aller. Je pense que je vais y aller, hein. Je vais pas, pas attendre d'avoir plus de cœur. J'ai The Chariot. Salut super truc, comment tu vas? Allez, j'ai The Chariot, j'ai mes deux couteaux. Faut que je fasse le tour de la salle rapidement pour enlever les petits trucs qui vont me faire chier les yeux là. Et ensuite ça part sur Chariot plus Bélial plus bourrage. Ouais. Après ce Chariot dure pas très longtemps mais ça me permettra de niquer les yeux du début là qui font chier. Allez, Mom's Heart, parti, c'est l'objectif. Les dégâts! Putain, mais les dégâts! Oh les dégâts! Mais faut que je continue jusqu'à Satan, non? Après, le truc, c'est que si je meurs à Satan, c'est pas validé, Mom's Heart. C'est ce que vous me dites depuis tout à l'heure. Putain, les dégâts! Mais je pensais tellement galérer! En fait, putain, mais les dégâts du bordel! The fuck, quoi! Putain, mais regardez cette gueule! Horrible! On fait quoi? Jusqu'à Satan ou on valide? On valide. Salut YouTube, lol! Petit couteau. Zip, 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 zip. Tu le tues easy en moonwalk. Quoi, Satan? Non, mais Satan, là, il va être en accéléré, je vais mourir. J'ai un bon build pour Satan. Ouais, je pense aussi, mon build est carrément décent, mais. En plus, j'ai peut-être chopé encore quelques coeurs de plus avec mon Dark Bum. Valide pas Mom's Heart, pour le valider, tu dois prendre le coffre. Ah! Donc ça veut dire qu'en fait à chaque fois même si je bute Satan ça valide pas Mom's Heart? Sinon je valide que Satan. Ah oh, mais c'est horrible. Ouais mais là je suis obligé de faire Satan, mon build il est insane. Prends le coffre. Oh je sais pas quoi faire. C'est terrible. Parce que d'un côté j'ai envie de prendre le coffre pour valider Mom's Heart. Sachant que je suis avec Judas là hein. Je suis avec Judas, je suis pas avec Isaac hein. Souvenez-vous. Valide Mom alors. Je sais pas. Bah je pense que oui, quand tu débutes, t'es censé valider Mom, mais quand t'as un build comme ça, tu continues, non? Ça peut m'arriver tous les jours d'avoir un build aussi violent que celui-là. Cette discussion de fin de VOD. Le coffre, le coffre. Ouais, mais le coffre. T'auras d'autres occasions de faire Satan après. Oui, j'avoue. La chimotte, il popait quand tu descendais. Dès que tu descendais à Sheol. Donc ça veut dire que c'est validé ou pas? Fais comme tu le sens. Mais j'en sais rien en fait. Là, c'est pas une question de comment je le sens. C'est que je sais pas comment ça fonctionne. Parce que là, pour le coup, moi, mon but normalement, c'est de valider Mom. Mais quand j'ai un build comme ça, je me dis qu'il faut aller jusqu'à Satan en fait. Parce que quand t'as un build limite, tu restes sur Mom. Mais quand t'as un build qui défonce tout, tu vas jusqu'à Satan, je pense. On va faire le petit sexeman, on y va. Je suis pas un petit sexeman, ce soir je suis venu pour tabasser le papa Satan. Everything is terrible, the game quoi? J'ai pas compris. Bonjour! Ah d'accord! C'est quoi ça, c'est adversary? Non, adversary il a des bandeaux en plus. Des bandages. Non mais mes dégâts sont tellement insane que. Ça aurait été un meurtre de ne pas y aller. Mange! C'est quoi ça? Endless, nameless, I'm stuck in the loop. On sait pas. T'es pas obligé de prendre le coffre, ça valide. Ah! Ah, le jeu est plus dur? Je prends. J'en ai pas besoin. Ouais, mais en même temps, les dégâts. Ça fait tellement bizarre d'avoir un build pété. En vrai. Putain, j'ai buté mon scroll, je l'ai même pas vu. Je viens de buter mon monstre, j'ai même pas. Je bute des trucs, je vois même pas ce que c'est. J'ai pas le temps de voir les yeux de mes ennemis qui sont déjà morts.
Oh là là, le build de pété quoi. Par contre, ouais, les araignées sont loup. I find pills infested. Donne-moi une petite. Voilà. Go. Ah, ça va être chiant par contre. Ça va être chiant. Sale relou. Voilà, parce que je ne vois rien. Les ennemis sont invisibles. Au secours. Ils ont beaucoup de PV les fantômes en plus. T'es souffrir. Et ok. Je suis tellement fou le cœur. Tu vas manger Satan. The game got harder, ça veut dire que t'as fini 6 fois. Ah d'accord. Bat Satan avec 6 persos pour débloquer la suite, d'accord. Ouais donc Mais je veux dire, enfin quand t'as le build, autant y aller en fait. Quand tu l'as pas, bon. Ça va être horrible pour moi. Parce que ça, le truc qui alterne les tirs là, pour un débutant comme moi, c'est voilà, c'est infâme. C'est vraiment pas gérable pour moi. En plus j'arrive pas à toucher fantôme là. Celui-là je suis safe. Je safeise hein, parce que vraiment là ça c'est pour moi c'est terrible. On peut pas le toucher. C'est bon, je l'ai eu. Désolé hein, pour mon débutage. Évidemment, je me le prends. Mon cube of meat qui vient de me sauver la life. Je me suis fait défoncer, je sais pas pourquoi. Pourquoi il y a 12 000 trucs qui pop? Au secours! Ok, on perd vite des cœurs, hein. Faut vraiment que je fasse gaffe. Déchiré! Ah, le cube of meat qui me sauve la vie 12 fois. Salut Chris, enfin, merci Chris pour les 2 bits. J'aurai le droit de resub mais pas tout de suite, les mois s'accumuleront quand même. Bah si tu resub avant 30 jours avant la fin de ton sub, oui. Enfin. C'était le mauvais plan. C'était tellement mauvais plan. En fait là je tombe contre des ennemis que je connais pas du tout. Cube of meat qui vient de faire le taf. Je suis en train de perdre tous mes cœurs. Ça me fait très très peur là. Faut que je trouve vite le boss. Ou que je trouve vite des cœurs par terre en fait que qui peut ramasser mon Dark Bum. Oh, si je fais ça et ça c'est bon. Ah non. Ah ça recommence la salle. Oui putain mais oui la porte était ouverte. Connard. Bonjour. Quand tu veux. N'hésite pas, à tout moment. Non. Ripstone. Secours. Est-ce qu'il y en a deux? Il y en a deux. A priori, il y en a deux. C'est bon. Gérant. Mec, il vise mal, mais. 12 000 fois. Cœur noir, éventuellement? Là-dedans? Pas du tout. The Fool. The Fool qui me ramène au début de l'étage, il me semble. J'aurai sûrement le droit de recevoir le 30. Ah, du coup, je pense que tu vas perdre ton cube, mon petit poteau. Je pense. Ok. Bon, par contre, ça c'est cool parce que je vais pouvoir. Allez, donne-moi un cœur bleu. Ah, nice. Nice. Je sais pas si c'est par là, Satan, mais bon. Faut y aller. J'ai trouvé Satan. J'ai trouvé Satan. J'ai trouvé Satan. Je vais mourir. Je vais tellement mourir. J'ai mon cube of meat, j'ai mes deux couteaux, j'ai mon Dark Bum, j'ai mon Gimpy. On y va les gars. Allez, j'ai pas fait mon petit sexman. On va au revoir papa. J'y crois. À mort. Alors, les professionnels font comme ça. Ils attendent un petit peu. Ils font. Ah bah trop tard. Enfin trop tôt. Alors oui, faut se souvenir de son pattern. Alors il tire deux fois, ensuite il te course. Ah bah il est mort. Il te course et après il crache. Voilà, évidemment je me suis dedans, comme un connard. Et pourquoi il est pas mort? Peut-être mettre ça aussi un jour, hein, un jour.
J'ai rien compris à ce qui s'est passé, est-ce que... Ah oh, je l'ai défoncé. Oh le double couteau dégueulasse. Je l'ai soulevé. J'ai pris ça dans le... Je l'ai tellement soulevé. Ce build. Ce build dégueulasse. Ah je l'ai soulevé. Ah papa Satan, je l'ai retourné deux fois ce soir, il doit pas être bien. Incroyable YouTube. Peut-être que tu verras ces deux games du coup. Judas Tong est apparu dans le basement. Et voilà, du coup la vidéo va s'arrêter ici. N'hésite pas à mettre des petits pouces bleus, partager le contenu, t'abonner à la chaîne, comme d'hab hein. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo YouTube, en espérant que tu apprécies le Isaac. A la prochaine, salut hein, des bisous, au revoir.